Tu ne tueras point, ni de près, ni de loin. Tu ne tueras point. Pas besoin de faire la tête. C'est clair et net, tu ne tueras point. C'est un impératif catégorique. Tu ne peux pas faire autrement que t'y soumettre. Sans réserve, sans condition. Tu ne tueras point. Autrement dit, tu ne donneras pas la mort, tu ne retireras pas la vie. C'est Dieu qui te l'interdit. Il y a une limite. Et tu n'as pas le droit de la franchir. Tu ne tueras point. On ne rajoute rien. On te dit ce qu'il faut faire. Parce que tu gagnes ce que tu perds. Tu ne tueras point. Il n'y a pas d'amendement. C'est un commandement qui ne souffre pas la moindre restriction. La loi, c'est la loi. Et elle est absolue. Et l'absolu n'a qu'une voix. La voix de Dieu. Ou la voix de ta conscience, si tu veux. Qu'elle soit éveillée ou endormie, elle finit toujours par l'entendre. Tu ne tueras point. C'est ce point qui indispose ma femme de ménage. Non, elle n'est toujours pas disposée à déposer les armes. Elle y voit des points de suspension plutôt qu'un point final. Elle tue et elle tutoie tous ceux qui le méritent. C'est sa fonction, son ergone vital, le nettoyage. Sans peine de mort, elle ne se sent pas souveraine. Elle fait le malin pour contourner le commandement divin. Mais elle ne retire pas la vie à ceux qu'elle condamne. Non, elle les retire de sa vie, de ses arcanes. Elle fait comme s'ils n'ont jamais existé. Elle les efface. Elle les chasse de son esprit. À vie. Et pour la vie. C'est son geste, son mouvement, son comportement qui se veut radical. Elle supprime toutes les saletés, les obscénités, les méchancetés, tout ce qu'elle n'a pas jugé digne d'imprimer. La liste est longue, mais elle a toujours pris des raccourcis. Parce que, dit-elle, on ne peut pas vivre sans éliminer les déchets. En premier, tout ce qui lui manque de respect. En deux, les plus vicieux, pour elle, ce sont les avaricieux. En trois, les hypocrites, ceux qui ne jouent le jeu que par en dessous. En quatre, ceux qui ne sont pas capables de prendre ou de garder leur distance. En dernier, ceux qui ont peur de la vie, la nie ou la calomnie. Pour elle, tout vient à point. Pour celui qui ne sait point attendre. Elle est impatiente et cruelle. Elle n'a pas fini de me surprendre. Puisque elle, c'est moi. Et moi, c'est elle. On ne se ménage pas. On a toujours mis le feu à notre propre ménage.